Le salon Top Marque Monaco souffle cette année, en 2023, sa 18e bougie. Alors si vous ne connaissez pas ce salon, eh bien sachez que c'est le rendez-vous ultime des supercars. Que ce soit les nouveautés ou les supercars de tous les superlatifs, eh bien toutes se retrouvent ici à Monaco. Et à cette occasion, eh bien Audi, la firme d'Ingolstadt, présente un tout nouveau concept, l'Audi RS6 GTO. Mais avant de faire plus ample connaissance avec notre concept du jour, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne de Sport Auto, à activer toutes les notifications et à nous retrouver sur sportauto.fr et sur nos réseaux sociaux. Et si vous pensiez que les étudiants n'étaient pas capables de concevoir de véritables bijoux, et bien certainement que ce concept ici à ma gauche va vous faire changer d'avis. Je parle bien évidemment du RS6 GTO concept. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Et bien en fait, c'est pas le travail de designer ou d'ingénieur de chez Audi, non, c'est le travail de 12 étudiants de 3e année de l'Audi Academy qui ont travaillé pendant 25 semaines d'arrache-pied pour concevoir ce concept, un concept dans la plus pure tradition des années 90 d'Audi Sport. Pourquoi? Parce que c'est directement une inspiration à l'Audi 90 Quattro IMSA GTO qui a couru outre-Atlantique en rallye. Et forcément, c'est aussi l'occasion pour Audi de rendre hommage à plus de 40 ans de technologie Quattro. Pour entrer plus en détail sur ce RS6 GTO, eh bien, trois mots caractérisent ce concept. Performance, durabilité et design. Alors, sur le plan du design, justement, eh bien, vous l'aurez compris, hein, c'est un hommage direct aux années 90 d'Audi Sport et plus précisément à la voiture pilotée par Walter Roll, hein, qui a gagné de nombreux rallyes outre-Atlantique. De toute façon, on le revoit aussi avec ses touches de rouge, de gris et de noir, hein, caractéristiques là aussi des codes esthétiques d'Audi Sport. Et le deuxième pan pour concevoir cette Audi RSI GTO concept, eh bien, c'est la durabilité. Durabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, exit le moteur thermique ou même le mythique 5 cylindres de la marque Ozano. Ici, sur cette RSI GTO concept, on a une motorisation 100% électrique. Et oui, ça c'est l'avenir d'Audi, puisque en 2026, eh bien, la firme d'Ingolstadt ne fera plus que des sportives et des productions 100% électriques. Donc quelque part, vous avez ici la future RS6 100% électrique de chez Audi. Et enfin, le troisième axe de développement de cette Audi RS6 GTO concept, eh bien, c'est celui de la performance. Alors la performance, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on se base sur la fiche technique actuelle de l'Audi RS6 thermique, mais avec eh bien, des datas gonflées. Rendez-vous compte, le moteur électrique affiche 705 chevaux environ et 900 Nm de couple. À titre de comparaison, c'est 105 chevaux et 100 Nm de plus que la RS6 thermique actuelle équipée de son V8 biturbo. Et pour plus de performance, on a aussi une voiture qui a été élargie pour plus de 2 mètres de large, là aussi pour essayer d'avoir eh bien, un appui aérodynamique optimisé pour toujours plus de performance et de sportivité. Alors en revanche, hein, je vous vois d'ici, ne me demandez pas la batterie et l'autonomie de cette RS6 GTO concept. Pourquoi? Eh bien parce que, comme son nom l'indique, c'est un stade de concept, mais toujours est-il que eh bien, une motorisation électrique permettra toujours de s'affranchir des 50 000 euros de malus écologique comme sur la RS6 actuelle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle à nouveau, hein, si ce n'est pas déjà fait, de bien penser à vous abonner à la chaîne de Sport Auto, à activer toutes les notifications. Dites-nous d'ailleurs, on est curieux, hein, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez vous aussi de ce concept RS6 GTO signé Audi qui préfigure, vous l'aurez compris, l'avenir de la firme d'Ingolstadt en matière de sportive. D'ici là, moi, je vais profiter encore un petit peu de notre présence ici au salon Top Marque Monaco parce que je vous rassure, l'ambiance, elle est juste canon. Ça transpire la passion automobile, on adore. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Sport Auto. Ciao.